questions sur le chat, hein, que je pourrais. Donc, le chat, hein, c'est l'endroit où vous pouvez laisser des petits messages Mais en fait, en il droite. parle là. Et donc, on pourra répondre et intégrer vos questions à l'ensemble du questionnement de cette table ronde. Monseigneur Blanchet, je me tourne vers vous. Donc, pourquoi cette table ronde sur la création à l'occasion de cette fête pastorale de Cézanne? Alors, je vais prendre la caméra vers moi. Bonjour à tous. Donc, d'une part, bienvenue, hein. Je suis heureux que les moyens techniques nous offrent quand même la possibilité d'une rencontre. Nous en avons eu une belle habitude ces dernières années au cours de la fête patronale du diocèse, puisque Saint Paul, en sa conversion, est notre saint patron. Et si cette année nous faisons une table ronde sur la création, c'est dans la poursuite de ce que nous faisions les années précédentes. Les orientations diocésaines, nous essayons de les nourrir, de les habiter d'une réflexion, de chemin de réflexion, parce que c'est un chemin qui s'ouvre pour plusieurs mois, pour un temps assez long. C'est toujours, et ça ne peut pas être autrement, des questions qui sont profondes et qui nous demandent d'échanger entre nous, de laisser mûrir. Et sur la création, c'est parce que l'an dernier, à l'occasion des 40 ans du diocèse, nous avions, en conseil épiscopal, envisagé ce qui pourrait nous conduire après les 40 ans. Avant les 40 ans, nous sommes concentrés sur baptême, Eucharistie, confirmation, sur les sacrements d'initiation chrétienne qui nous rappellent que le Seigneur nous a appelés à former ici l'Église en Nord-Franche-Comté. Et là, ça nous conduit sur un autre axe, moins de théologie fondamentale, je dirais, moins centré sur le mystère de notre relation à Dieu, mais sur ce qu'il nous demande de faire, sur ce qu'il nous demande d'être, sur la façon d'habiter notre témoignage. Alors bien sûr, nous rendons témoignage à Jésus en professant notre foi, en la partageant avec d'autres, mais nous rendons témoignage aussi par notre façon de vivre et d'habiter le monde. Et là, sans doute, nous rejoignons aussi beaucoup de non-croyants et qui sont aussi très attentifs à rejoindre des postures, à pouvoir nous aider les uns les autres. Et l'Église n'est pas une île dans la cité, elle est au cœur de la cité avec les autres. Et c'est pour cela que moi je me réjouis beaucoup que le diocèse de Belfort-Montbéliard se soit engagé sur cette réflexion de, comment dire, de mieux comprendre, de mieux habiter la responsabilité que Dieu nous donne, d'être gardien de la création, gardien de nos frères. Ce sont les deux thématiques que nous avons ouvertes en septembre dernier. Alors, il se trouve que mon départ désormais assez proche modifie un peu la façon de conduire ce temps de réflexion, puisque je devais vous donner une lettre pastorale pour 3 ans. Ce ne serait pas ajusté maintenant, puisque je me trouve à partir. Donc, j'ai laissé un petit message sur le site qui puisse nous donner du courage à approfondir quand même cet axe de réflexion. L'évêque s'en va, mais les orientations diocésaines demeurent parce que le diocèse reste en croissance et un autre évêque me succédera pour pouvoir continuer le chemin avec vous. C'est un chemin qui a vraiment été mûri et discerné et il y a une forme d'urgence. Le pape François nous le rappelle, le monde nous le rappelle, la pandémie que nous traversons actuellement nous le rappelle. Il y a vraiment une réflexion commune à porter sur la création, sur l'écologie et plus fondamentalement sur nos responsabilités. Pour nous, chrétiens, nous parlons de conversion. Et il s'agit de trouver la juste posture parce que nous voulons être fidèles au Père. Et la création, dans notre foi chrétienne, nous la recevons comme un don. Et lorsqu'on nous fait un don précieux, nous avons à cœur de le respecter, de le soigner. Un don comme la création, c'est un don extrêmement précieux. Nous avons été créés et il s'agit de respecter et d'honorer ce que Dieu a fait en prenant soin de la création, en prenant soin de nos frères. Et c'est pour cela aussi que la thématique de cet après-midi est centrée de façon assez large sur l'écologie intégrale qui puisse permettre de prendre en compte toutes les dimensions du créé, y compris nous-mêmes, y compris la personne humaine dans la création. Donc, je remercie beaucoup
vous allez le faire juste après. Je remercie beaucoup tous ceux qui ont accepté de venir vivre cette table ronde. Vous allez les voir sur une des fenêtres. Vous verrez quelqu'un qui parle sans forcément l'entendre parce que le son viendra de cette petite plateforme de table ronde. L'important est de nous entendre et de percevoir qui parle au moment. Donc voilà, bonne table ronde, bonne réflexion. Courage à chacun qui voyait ça derrière un écran, mais c'est une belle façon d'être ensemble dans ce moment. Merci, Monseigneur. Donc, vous n'êtes pas encore parti, vous resterez encore jusqu'à cette table ronde parce que c'est vous qui allez conclure. Donc, merci d'avoir introduit, effectivement, nous d'avoir rappelé que cette table ronde s'inscrit dans une lecture, d'ailleurs, que vous faites tous les mois sur RCF, dans une émission que je recommande à tout le monde qui s'appelle « Clameur des temps ». Et qui est une lecture aussi de l'encyclique du pape François, Laudato si. Donc, on s'inscrit vraiment dans cette démarche globale. Alors, je tiens à remercier tout de suite notre équipe technique, hein, Sylvie, Justina, qui, grâce à elle, nous permettent d'organiser cette table ronde. Et je vais tout de suite présenter aussi les membres, les participants à cette table ronde. Donc, Christine Blain, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes membre du CCFD ? Exactement, oui, depuis de nombreuses années. Et en discutant un petit peu avant, vous m'avez aussi dit que vous étiez ? Je suis infirmière, voilà, et je suis membre aussi de l'EAP sur le secteur du Saint-Jean-Antide à Héry-Moncourt. Très bien. Donc, la création, on voit tout de suite qu'on imagine où elle se situe déjà voilà. dans vos préoccupations. Merci. Alix Moujot ? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes médecin ? Oui, tout à fait, oui, médecin généraliste, oui. Très bien, merci d'être présente. Donc, vous pratiquez localement au niveau de l'hôpital ? Alors, je travaille en libéral et en ce moment, comme j'avais fait au mois de mars, je suis renfort Covid, c'est-à-dire que je travaille dans les services où les patients sont hospitalisés quand ils sont atteints du coronavirus. Très bien, donc merci de nous accorder ce temps parce que j'imagine qu'il vous est aussi compté. Marc Blondet. Bonjour à tous. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Oui, donc Marc Blondet, je suis un agriculteur, maintenant en retraite depuis un an. J'avais été sollicité par l'évêque pour participer au conseil des évêques de Lourdes. Et donc, c'est à cette occasion-là que j'ai été encore sollicité aujourd'hui, je pense. Je me suis engagé donc mais aussi dans les organisations agricoles. Et je suis en même temps aussi maire de ma commune. Je suis engagé au niveau de collectivité locale. Très bien, donc agriculteur, maire, donc beaucoup d'activités aussi. Voilà. Donc, merci d'être là. Notre dernier intervenant, Jean Bouhélier, je vous laisse vous présenter aussi. Bonjour, oui, moi je suis prêtre. Je suis prêtre aux résidences à la Pépinière et à Babillé. Et je suis membre de l'équipe diocésaine de formation permanente. Alors, à ce titre, avec Christian, un collègue, nous avons réfléchi aux relations entre l'écologie et la Bible. Et nous avons essayé de faire une lecture de textes bibliques en regard de l'encyclique du pape sur la création, Laudato si. Très bien, donc vous êtes armé de plein de ressources pour pouvoir nous éclairer. Donc on va commencer un premier temps autour de cette table ronde, autour d'une première interrogation. Hein. Nous aurons trois interrogations. D'abord, comment est-ce qu'on peut définir la création ? Ensuite, quelle place cette création peut avoir dans nos engagements, dans nos activités ? Et enfin, quel lien on pourra faire avec la foi ? Par rapport à cette création. Alors, on va entamer tout de suite le premier temps. Comment définiriez-vous la création et honneur aux dames, Christine ? Alors, pour moi, je vois ma planète, je vois tout le vivant qui l'habite, que ça soit la faune ou la flore. Je la vois aussi au milieu d'un univers plus élargi, avec tout ce qui peut la composer. Et particulièrement, un mot qui nous est cher au CCFD, c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Donc voilà, moi, ça,
ça regroupe un peu toutes les... Enfin, souvent, à mon regard, je vois plutôt la beauté du monde. Quand je pense à la création, je vois moins une usine qui pollue, je vois plus une beauté du monde. D'accord, donc la création, il y a une dimension naturelle. Voilà. C'est, pour vous, la création, c'est la nature. À mon sens. Et la nature, dans ce qu'elle a de plus beau. Oui. Et éventuellement, il y aurait des moments où elle serait plutôt dégradée. On l'appellerait encore création ou pas? Alors, ça fait partie de l'humanité et des hommes qui l'habitent, hein, qui ont tendu, qui ont cherché à améliorer leur condition de vie par rapport à l'homme des cavernes, etc. Quoi, si on veut, c'est l'évolution. Mais il y a un revers de médaille, à mon sens. Donc, la création connaît une évolution, d'accord, oui. Et avec du plus et du moins. Exactement. D'accord, et l'homme, quelque part, est au milieu. Exactement. Très bien. Alix, alors, partagez-vous cette vision Alors, oui, tout à fait. Pour moi, la création, elle existait déjà avant. On arrive, nous tous, sur Terre. Elle a été créée par Dieu, la Terre et les hommes. Mais c'est vrai que chaque jour, nous allons nous aussi créer des choses. Et tout ce qu'on va mettre en route va induire une évolution. Qu'on aura prévu ou qu'on n'aura pas prévu, comme toutes les conséquences de nos industries qui polluent la Terre. Ce n'était pas forcément quelque chose de prévu au départ quand on a inventé toutes nos expériences. Et voilà, Marie Curie, quand elle a découvert la radioactivité, elle n'a pas pensé qu'un jour on créerait une bombe avec. Donc la création, tous les jours on crée par nos actes, par nos choix, par nos décisions, mais sans forcément penser aux conséquences qu'il pourrait y avoir. Donc, quand on pense création, on pense à ce qu'il y a avant, mais il faut aussi qu'on arrive à penser à ce qu'il y aura après pour nos enfants et nos descendants. Donc c'est très vaste. Donc, j'ai toujours cette idée, effectivement, d'une origine. Oui. Donc, la création, c'est peut-être ce qui est à l'origine. La création, c'est aussi, comme vous le dites, c'est ce qu'on en fait. Oui. Donc, une évolution. Mais ce qu'on en fait, non seulement nous, directement, mais aussi via la technique. Oui, tout à fait. Donc, la responsabilité que l'homme a vis-à-vis de la technique, c'est aussi le... Alors, vous le situez à côté de la création ou situé dans la création, ça Ça en fait partie. Ça en fait partie. Nous sommes des êtres créés, donc on fait partie de la création et tout ce qu'on va créer et inventer fait aussi partie de la création. D'accord. Donc c'est... Ça peut être positif ou négatif, mais tout fait partie de la création. Donc, la création, c'est une aventure, en fait. Oui, on peut voir ça comme ça, oui. D'accord, très bien. Un défi. Un défi. Oui. D'accord. Un objectif. Oui. Aussi. Un objectif aussi. Très bien. Oui. Marc Blondet, alors. Ouais, donc, pour moi, la création, c'est d'abord avant tout l'univers. Et pourquoi dans cet univers, il y a la Terre? La Terre, il y a pu naître une étincelle de vie qui s'est transformée avec des années et des années, qui s'est modifié, qui a évolué, qui a créé, qui a abouti à l'homme. L'homme est une, pour moi, un peu l'aboutissement actuel de cette création. J'estime que l'homme est responsable de ce qui se passe maintenant sur la Terre. On est entre guillemets l'espèce qui a le plus conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut faire. On se rend compte depuis quelques dizaines d'années que notre planète a des limites. On ne s'en rendait pas compte avant. Ces limites peuvent être atteintes. Et si on ne fait pas attention, nous, en tant qu'hommes, à gérer ces limites, à les partager, là, on va dans le mur. Je pense que là, j'ai peut-être un discours un peu grave, mais je pense qu'il faut, faut en prendre conscience. Bon, moi, en tant qu'agriculteur, je suis sensible à cette, je veux dire, à ce miracle de la vie, entre guillemets. Je n'aime pas employer le mot miracle, mais dans tout lieu de la Terre, il y a des miracles qui se passent au niveau de la vie, donc, que ce soit pour nourrir les hommes, des plantes, la beauté, toutes ces choses-là. Voilà, pour moi, ça peut être un don. Je ne sais pas si c'est un don, mais en tout cas, nous, on est nés de ça. On fait partie de ça. Et l'homme, comme vous l'avez dit aussi avant moi, il est co-créateur.
Maintenant, actuellement, il est co-fracteur avec son évolution. Par ses choix, par ses recherches, il peut arriver à dominer totalement ce monde. Voilà. Donc, moi, mon souci maintenant, c'est comment gérer ce monde, comment faire que notre société humaine puisse contrôler tout ça et le gérer le mieux possible. C'est intéressant là, pour l'instant, parce qu'on arrive à voir qu'il y a à la fois des certitudes. La création, c'est ce qui est, c'est ce qui a été, c'est là où je suis co-créateur. Et en même temps, beaucoup de questions. Hein, on pose beaucoup de questions sur mais quelle est notre place. J'avais une idée que j'ai oubliée, c'est aussi ce vertige. Pourquoi nous, Terre, il y a pu naître ce monde humain ? C'est un cadeau, on pourrait dire que c'est un cadeau, mais aussi c'est vertigineux. Est-ce qu'il y a d'autres vies possibles dans l'univers ? On ne sait pas. Tout ça, c'est encore à découvrir, on ne sait pas. Donc l'impression de vivre aussi quelque chose, la création, quelque chose d'exceptionnel, oui. Et qui met en responsabilité dans une période... Que l'on soit croyant ou pas croyant, je pense que tout à chacun est à même de ressentir ce vertige. D'accord, dans une époque qui est que les scientifiques appellent l'anthropocène, hein, c'est-à-dire oui. On est maintenant, nous, acteurs aussi de cet environnement, de cette nature, peut-être davantage qu'avant. Jean Bouillier, quelle approche avez-vous suite à toutes ces interventions déjà ? Pour moi, dire création, c'est dire beaucoup plus que nature. C'est dire un rapport avec quelqu'un. C'est dire que le monde a son origine en Dieu. Il y a le projet d'amour du Dieu créateur sur l'univers. Le Dieu créateur qui nous fait exister et qui donne valeur à chaque créature. D'ailleurs, le mot « nature » est absent de la Bible, c'est assez curieux. Mais le mot « création » nous met en rapport avec celui qui est la source de tout. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'origine de la planète. Alors, notre credo commence par ces mots. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Que disent les chrétiens quand ils confessent cette foi ? Ils ne donnent pas une explication sur l'origine du monde. Ça, c'est à la science de le faire. Ils ne disent pas « il faut bien quelqu'un pour avoir donné la chiquenaude initiale au monde ». Non, ils disent le sens, la direction, la signification. Ce sens, c'est qu'il y a un projet d'amour qui nous précède. Et ce projet d'amour, c'est celui de Dieu notre Père, qui appelle l'univers et l'humanité à l'existence. Si je résume le message des premiers chapitres de la Bible, les grandes convictions qui me font vivre sont celles-ci. Donc le monde est appelé à l'existence par l'amour de Dieu. C'est la parole de Dieu qui crée. Dans le premier récit de création, il y a 10 fois Dieu dit. 10 paroles de création comme il y a 10 commandements. La parole de Dieu met de l'ordre dans le chaos de l'univers. Deuxième conviction, Dieu crée en séparant le jour et la nuit, l'eau et les continents. Et il crée des créatures dans toute leur diversité. On parle des animaux, chacun selon leur espèce. Donc j'ai envie de dire, au commencement du monde était la biodiversité. Ensuite, l'être humain, à l'image de Dieu, créé pour ressembler à Dieu, il est appelé à être co-créateur, comme ça vient d'être dit. Qu'est-ce que je trouve encore ? La nature n'est pas Dieu. Je dis cela parce qu'il y a des tendances actuelles à un certain retour des idoles. La terre, la nature, les astres, pensons aux astres. Et puis enfin, le monde est bon. Je ne suis pas de ceux qui dénigrent le monde, qui disent que tout va mal. Non, le monde est bon. Après chaque jour de création, et Dieu vit que cela était bon. Et puis à la fin, il s'extasie devant sa création. C'était vraiment très bon. Donc c'est ça qui nous fait vivre. Et j'ajoute une dernière chose. Le dernier mot est important, il y a le 7e jour. Le 7e jour, celui où Dieu cesse son activité, le jour du repos,
mais le jour de la contemplation, de la démaîtrise par rapport à l'activité. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement important par rapport au débat sur la domination de l'homme sur l'univers. Alors, justement, je rebondis sur l'inquiétude que j'avais sentie chez Christine et puis chez Marc aussi. Est-il légitime donc d'avoir peur, d'être inquiet, si vous regardez la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Est-ce que donc, la nature nous renvoie quelque chose? Comment vivre cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, hein, tout le monde qui nous regarde a peut-être est inquiet et peut-être se pose la question de la place de la nature dans le processus de création. Je vous questionne. Oui. Moi, je repars des convictions du pape François dans Laudato Si. Il nous donne deux grandes convictions. Tout est lié. En conséquence, nous sommes solidaires de la création. Et ça ouvre un chemin d'espérance, parce que le monde ne va pas vers sa destruction, il va plutôt vers son épanouissement. Et puis, deuxième conviction, notre vie est marquée par une triple relation. La relation à Dieu, la relation aux autres, et la relation à la terre et à l'univers. Et tout cela, si on le veut bien, mais c'est un appel à notre responsabilité, ça donne un monde d'harmonie. Et toute la Bible nous montre que nous sommes créés pour vivre des relations harmonieuses avec la terre. Donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse aller vers des catastrophes d'ampleur universelle. Bon, ben, c'est un message d'espoir. Donc, merci de nous redonner du jus pour repartir dans cette table ronde. Et je trouve que vous nous avez proposé une lecture qu'on va utiliser tout de suite dans ce deuxième temps, hein, puisque vous nous dites qu'on est dans un rapport aux autres, dans un rapport à la terre, dans un rapport à Dieu. Bon, on va aborder cette question de rapport aux autres, éventuellement aussi de rapport à la terre. Donc, je me retourne vers Christine. Comment est-ce que cette question de création, hein, cette discussion qu'on a eue sur la création là, rentre dans vos préoccupations professionnelles, militantes? Pour l'instant, je parlerai peut-être plutôt de mes préoccupations militantes, mais juste par rapport à Laudato aussi, moi, quand j'avoue humblement que je ne l'ai pas lu en entier, j'ai lu des passages, mais ça m'a juste, le mot, c'est épaté. C'est-à-dire que ça vienne d'un pape, ça m'a juste sidéré. Je me suis dit, mais quelle vision a cet homme? Et puis, toute la place de la chrétienté autour de lui, parce que j'imagine qu'il n'a peut-être pas été seul dans cette démarche. Alors, pour ce qui est du CCFD, ben, étant militante depuis plusieurs années, je dirais que c'est une évolution quand même pour moi que j'ai ressentie dans le mouvement. C'est-à-dire qu'au départ, l'important, c'était de parler de développement, de développement, de développement, d'aide au développement. Et puis, finalement, ben, à un moment donné, on se retrouve à se dire que le mot développement, il ne doit pas être un mot qui mène à n'importe quoi de façon vraiment incohérente. Donc, à ce moment-là, on s'est quand même posé la question de comment accompagner ces populations, parce que pour moi, la première des missions, c'est d'accompagner des populations qui sont en peine dans leurs conditions de vie, quoi, vraiment dans des façons de vivre qui sont indignes, à mon sens, de l'être humain. Et à ce moment-là, ben, il a fallu commencer à se poser la question de les accompagner, mais en respectant justement cette nature, quoi. Pour moi, c'est... ça peut être donc compliqué, mais d'un autre côté, je lis de plus en plus de textes et de choses qui montrent qu'on peut justement aider au développement et de façon cohérente et de façon à ce que les êtres humains sur cette terre puissent notamment manger, parce que c'est quand même un des premiers actes, l'aide à l'alimentation. En fait, on se rend compte que si on prend des décisions claires et nettes, on pourrait permettre à des millions d'êtres humains de manger correctement. Le problème, c'est juste qu'on a pris des décisions. Enfin, je dis on.
certains êtres humains ont pris des décisions qui mettent à mal la planète, de détruire des forêts pour cultiver des palmiers, l'huile de palme, etc. Mais ça, c'est qu'une petite chose, quoi. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai aussi une notion d'espérance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si les êtres humains envisagent de prendre d'autres décisions que celles d'hectares de culture intensive, malgré tout, on pourra envisager de nourrir la planète. C'est ça un des messages d'espoir. Donc moi, c'est un des sens de mon engagement, c'est accompagner des populations afin d'améliorer leurs conditions de vie et dans un cadre raisonné. Donc là, on voit bien qu'on est sur cette notion qui est suspendue au-dessus de nous depuis maintenant 50 ans, c'est une notion de développement durable. Hein, voilà. Le développement, la durabilité, le prendre soin, mais l'utilisation aussi de cette planète, de cette nature. Alors tout de suite, bien sûr, j'ai envie d'interroger l'agriculteur, qui est confronté, je pense, à cette tension que vous soulignez, à la fois nourrir, bien nourrir, mais en même temps peut-être au risque d'épuiser une terre qui nous a été donnée. Alors comment vous situez-vous, vous, par rapport à cette problématique? Déjà, je vais un peu situer mon cheminement personnel, comment je suis arrivé agriculteur. Au départ, j'ai une formation d'ingénieur. Pour des raisons de famille, mon père est décédé relativement jeune. Et j'ai été obligé de faire le choix de reprendre l'exploitation ou de continuer ce métier d'ingénieur. Donc, j'ai fait le choix de m'investir dans l'école, sur le local, aussi parce que j'avais un vécu de mouvement chrétien. J'étais engagé dans la MRJC. Et le slogan un peu qui était dit dans la MRJC, c'était être acteur dans le rural. C'est-à-dire de motiver les jeunes, de dire que chacun peut, à son niveau, faire changer les choses là où il est. Et moi, ça a été vraiment pour moi un appel, et c'est pour ça que je me suis investi dans ce monde rural, et que dès que j'étais installé, je me suis engagé dans les organisations agricoles. Et dans les organisations agricoles, bien sûr, on est traversé par ces débats. Quel type d'agriculture pour répondre aux besoins de l'humanité? Est-ce qu'on intensifie trop? Est-ce qu'on répond suffisamment aux besoins des gens ou pas? Et tout ça, moi, j'ai pas de réponse. C'est pas la réponse. Elle est dans le dialogue entre les agriculteurs et les consommateurs, entre la société d'une manière générale, les ouvriers et puis pas uniquement les agriculteurs, les collectivités. C'est là que c'est par le débat qu'on arrive à trouver des solutions. Et de ce sens-là, je rejoins. L'homme, il a cette capacité à négocier et à trouver des solutions, ça je crois. Mais malgré tout, on est devant des enjeux qui sont graves. Je pense que les prophètes ont dit que pour qu'une société soit équilibrée, la première des choses, c'est de prendre soin du faible et du pauvre. Si on veut que les choses fonctionnent, sinon, ça ne tient pas debout, ça ne peut pas tenir une société qui n'est pas capable de prendre en compte le plus faible, le plus pauvre. Pas ça dans un esprit de s'approprier ce pauvre, mais que chaque homme, à là où il est, a sa capacité d'être et d'agir. Moi, je suis convaincu de ça. Moi, le NRJC m'a convaincu de ça. J'ai aussi fait partie du CCFD à mon temps. Voilà. Après, moi, j'ai pas de solution. Je pense que c'est à chacun, à chaque groupe, de réfléchir là où il est pour apporter ses propres solutions. Donc, l'idée d'équilibre, ouais, que vous soulignez, on retrouve la parole, que vous évoquiez aussi, le dialogue, comme peut-être moteur de prendre soin de la création. Et puis, j'ai entendu aussi justice sociale, ouais. Mais qui, dans la question, sur la notion de développement durable, est intimement liée. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des chrétiens développementalistes et puis des chrétiens écologistes? Et puis, est-ce que ces gens arrivent à se mettre d'accord? Le dialogue, c'est ça, dans l'agriculture? Oui. Je pense qu'il y a différentes tendances. Il y a des gens qui croient que leur solution pour leur exploitation, c'est s'agrandir. Il y en a d'autres qui pensent, normalement, peut-être que mon arrondissement, il m'emmène dans le mur. Mais tout ça,
c'est par notre confrontation, c'est par notre, notre recherche de solutions ensemble qu'on trouve des solutions qui sont viables. Sinon, si chacun réfléchit que de son côté en disant « moi j'ai la vérité, je fonce », c'est sûr qu'on va dans le mur. Pour moi, c'est évident. L'homme ne peut, s'il veut être co-créateur, il faut qu'il agisse ensemble. L'homme est un animal social, quoi. Il ne peut pas être, sinon c'est pas un homme, c'est pas pour moi. Hein. Donc l'humanité hein, comme solution à la crise écologique, c'est une belle image. Alix, dans votre métier, alors la création, comment est-ce qu'elle intervient? La création dans mon métier, elle est présente tout le temps, parce que finalement, en tant que médecin, je prends soin de l'homme, de celui qui a été créé par Dieu, en même temps que la nature. Je me suis spécialisée en acupuncture pour essayer justement de prendre soin des personnes en mettant le moins de traitements chimiques. C'est le terme des patients. Je ne veux pas de traitements chimiques. Je veux pas de choses qui me rendent malade. Je préfère être soignée par les plantes ou par la médecine parallèle. C'est mon choix en tant que médecin acupuncteur, c'est ça. C'est limiter la toxicité de la médecine traditionnelle sur le corps du patient et l'aider à évoluer et à guérir sans cette toxicité-là. Pour moi, ça me paraît important. La création, enfin, on en est tous responsables à titre personnel, mais aussi à titre communautaire. Mais si en tant que personne, on n'en prend pas soin, on ne peut pas y arriver, même par la communication, on ne pourra pas y arriver à en prendre soin en groupe. Ce n'est pas possible. Il faut déjà avoir une espèce d'engagement personnel, que ce soit à domicile, en faisant le tri des déchets, en cuisinant au maximum avec des produits locaux. Et après, on pourra effectivement prendre des décisions au niveau de l'agriculture, au niveau de la médecine, sur plein d'autres points. Donc, quand vous exercez, oui. vous êtes en cohérence, enfin, vous essayez de vous mettre en cohérence aussi avec votre vie quotidienne, en vous disant, finalement, quand je prends soin d'une personne, il faut que je prenne soin aussi de son environnement, même si le terme, en tout cas de la nature, pour vous, c'est complémentaire. Oui, pour moi, le soin, enfin, oui. C'est un ensemble. Le soin du patient, il ne fonctionne pas qu'avec des médicaments. Parce qu'il y a tellement d'émotions dans son quotidien qui interfèrent et qui peuvent créer des maladies qu'il y a tout ça qui est à prendre en compte. Donc, je discute avec les patients, j'essaye de savoir un petit peu ce qui peut expliquer leur mal-être. Et même parfois, rien que le fait de discuter, ils vont mieux. On n'est pas obligé de prescrire quelque chose derrière qui va détruire leur corps ou qui va détruire la nature parce qu'il faut fabriquer les médicaments. Donc oui, dans mon quotidien, j'espère en tout cas que je prends soin de la nature en même temps que de mes patients. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que dans vos trois interventions, après je passerai la parole à Jean, hein, mais dans vos trois interventions, on sent chaque fois poindre quelque chose qui ressemblerait à de l'alternative. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire dans la façon de prendre soin médical, dans la façon de s'engager auprès des plus pauvres, dans la façon d'imaginer la collaboration entre l'homme et la nature, on sent qu'il y a quelque chose à imaginer. L'espérance, elle est peut-être là. Et maintenant, je me retourne vers vous, Jean. L'espérance, elle est peut-être là dans cette alternative. Oui. Je voudrais rebondir sur prendre soin de la création. Il est bien évident que la crise écologique est le défi de ce siècle et que cette crise, elle a des racines spirituelles. On voit que la racine de cela, c'est la volonté de puissance. La Bible appelle ça le péché de l'homme, la volonté de puissance, de tout dominer, ce qui entraîne des ruptures d'harmonie dans le monde. Alors, vous savez bien qu'il y a un débat autour de l'interprétation de dominer la terre et soumettre-la. Et on a parfois accusé les croyants, à cause de ce verset, d'être à la source de la crise écologique, d'être à la source d'une exploitation violente de la terre. Le pape François nous dit clairement, l'exploitation sauvage de notre mère, la terre, n'est pas une interprétation correcte de la Bible. Comment interpréter ce mot « dominer »
c'est pas assujettir, c'est pas exploiter, c'est plutôt aménager, organiser, remplir, mais avec douceur et respect. Je crois que c'est le chemin qui nous est proposé. Et les interventions qui ont précédé nous montrent bien que c'est ça le chemin pour sortir de cette crise. Alors, dans son encyclique, le pape nous donne trois pistes que je vous partage. Encore une fois, tout est lié. Un autre concept, la sobriété heureuse. Et puis un troisième, l'écologie intégrale. Tout est lié. Ça veut dire que pour articuler nos trois relations à Dieu, aux autres et à la terre, eh bien, se respecter soi-même, découvrir son interdépendance avec la terre, je dirais même sa solidarité avec la terre et avec les autres, évidemment, et les respecter, développer sa vie spirituelle, savoir apprécier ce qui est beau et en rendre grâce, eh bien, tout ça, ça favorise une écologie intégrale. Deuxième piste, qu'est-ce que c'est que la sobriété heureuse dont on parle beaucoup? J'ai été vraiment frappé par cette petite phrase dans l'encyclique, on peut vivre intensément avec peu. C'est-à-dire qu'il y a la question de limiter notre consommation et d'interroger notre conception de la croissance. Qu'est-ce qui doit croître? Ce n'est pas forcément la production des biens, mais c'est peut-être le bonheur des humains et le respect de toutes les autres créatures. Et on peut à ce sujet s'interroger sur une certaine décroissance. Alors je sais bien qu'il y a de gros débats sur la décroissance économique, mais je pense qu'il est question peut-être de limiter nos appétits et d'arrêter de piller les ressources de la terre. Puis enfin, une troisième piste qui découle de cela, l'écologie intégrale, liée au concept de développement intégral qui est employé depuis longtemps, en tout cas depuis Paul VI, dans la pensée sociale de l'Église. Ça veut dire que nous avons à articuler tous les domaines de notre vie, parce qu'on sait bien que la crise économique, la crise environnementale et sociale est aussi une crise culturelle et spirituelle. Donc, il faut essayer d'évoluer en cherchant une nouvelle qualité de la vie qui articule ensemble ces quatre ou cinq domaines, et pas seulement un aspect. Si on voit que la question environnementale toute seule, comme dit Marc, on va dans le mur. Il faut vraiment que suivent des décisions politiques, économiques, et que nous, croyants, on creuse, on approfondisse un peu notre dimension spirituelle. Voilà. Je trouve qu'un résumé de l'encyclique du pape peut être donné dans ces quatre petites propositions. Tout est donné, tout est lié, tout est fragile, mais tout est encore possible. Merci. Donc, on voit bien que l'espérance, vous la portez haut et fort, vous avez même des pistes. Ceci dit, on peut prendre acte aussi que le monde va aussi dans un sens inverse. Oui. Moi qui suis dans le champ de l'éducation, je ne me suis pas interrogé, donc je vais répondre quand même à la question un tout petit peu. La question de le rapport à la nature, c'est une question qui est soit oubliée en économie, hein, vous parlez de décroissance, en économie aujourd'hui, ce n'est pas du tout un sujet. Et dans les universités, ce n'est pas quelque chose qui est abordé. Quand c'est abordé, ça reste très anecdotique, voire on plâtre la croissance avec du marketing écologique, etc. etc. Donc, on voit, je reviens un peu sur cette tension que vous soulignez, Marc, tout à l'heure, entre la gravité et peut-être une aggravation de la situation et en même temps une espérance, parce que le discours que vous tenez, on l'a entendu aussi depuis longtemps. Dès les années 30, il y avait cette crise spirituelle par rapport à une société matérialiste, il fallait retrouver ce que vous mettiez en avant.
Est-ce que vous n'auriez pas un petit exemple, vous, dans vos sphères d'activité, qui laisserait penser qu'il y a quelque chose qui se construit? Vous voyez, autour de la création, une forme d'alternative. Ben, au CCFD, on y réfléchit. Et puis, là, j'avais relevé une phrase que j'ai trouvée dans l'hebdomadaire La Vie, qui disait, donc ça, c'est... André Gorz qui écrivait « L'utopie ne consiste pas aujourd'hui à préconiser le bien-être par la décroissance. L'utopie consiste à croire que la croissance de la production sociale peut encore apporter le mieux-être et qu'elle est matériellement possible. » Donc, ça rejoignait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire selon la façon dont on va s'y prendre, Il y a des possibilités et tout n'est pas perdu. Maintenant, comme le disait Jean, c'est l'histoire aussi du partage. C'est la grande histoire. C'est-à-dire que tant qu'on tirera la couverture pour un tout seul qui mange la planète comme 10 000 personnes, ça sera quand même un des grands enjeux, quoi. Donc, des enjeux de répartition. De répartition, oui, exactement. Alix ? Moi, déjà, au point de vue personnel, quand je vois mon évolution, je me dis qu'on ne peut évoluer que vers le bon, le mieux. ne serait-ce que par rapport à ma manière de faire à la maison, par rapport au tri des déchets, par rapport à l'alimentation en achetant local, des choses comme ça. Et je dirais que même la crise du coronavirus, la crise sanitaire qu'on a connue l'année dernière et puis qui se poursuit maintenant, aura quand même eu du bon. C'est qu'on aura pris conscience que la vie, malgré notre pouvoir qu'on s'est donné déjà depuis quelques siècles, est extrêmement fragile. Que du coup, les industries se sont réorganisées autour du télétravail. Que du coup, les achats se sont réorganisés autour de la vente locale et des produits locaux. Et ça, ce n'est pas à jeter à la poubelle, c'est à garder pour après. Donc, je me dis que oui, ça y est, on est en train d'évoluer et donc on peut garder espoir aux prochaines années ou aux prochains siècles. En ce fait, de la conversion de Saint-Paul, peut-être que la conversion du regard sur la création et de son usage, permise par ce drame du coronavirus, voilà, c'est peut-être aussi des choses, des signes qu'il faut savoir lire. Oui. Il ne faut pas tout regarder en négatif dans cette crise sanitaire qui est effectivement extrêmement épuisante et difficile à supporter parce qu'on a plein de contraintes, mais on est en train de créer des choses extrêmement positives. Il y a des entreprises françaises qui ont modifié leur technique de fabrication pour pouvoir fabriquer que français puisqu'il y a eu un moment donné où les importations n'étaient plus possibles ou beaucoup moins nombreuses. Et ça, c'est positif. On peut réveiller l'entrepreneuriat français grâce à ça et il faut continuer, quoi. D'accord, donc il y a quelque part un réveil. Un réveil, oui. Voire un éveil. Oui. Un nouvel éveil. Marc, dans votre vie professionnelle, est-ce que vous avez vu quelque chose qui laisserait espérer? Ben, moi, de la période des 40 ans que j'ai passé dans ma profession, moi, j'y vois quand même une évolution aussi positive. Il n'y a pas que... Bien que le nombre d'agriculteurs n'a fait que de diminuer, mais malgré tout, il y a une prise de conscience des agriculteurs eux-mêmes vers une plus grande sensibilité de la demande du monde qui les entoure. On n'est plus là uniquement pour produire de la nourriture, des quantités, mais aussi pour répondre à des besoins, aux besoins des gens. Et je pense que ça, de plus en plus, ça s'intègre dans le métier d'agriculteur. Et puis, même maintenant, de plus en plus, il y a d'autres jeunes qui ne sont pas forcément du milieu qui veulent s'investir, qui ont envie de... Je pense que c'est un métier qui peut passionner, donc, et qui passionne. Et ça, de ce point de vue-là, moi, je suis optimiste. Il y a moyen que des choses évoluent dans un sens meilleur, quoi. Ça, c'est évident. Puis la crise du Covid... L'avantage, c'est qu'elle nous a rendus sensibles au fait que l'on est fragile, que personne n'est à l'abri de ces phénomènes-là, que personne ne peut se garantir de dire « moi, je suis bien tranquille chez moi et j'accumule des biens et puis j'ai plus rien à rendre à personne ». Mais non, tout le monde peut être touché.
Et je pense que ça, c'est un moyen fort pour mettre en route des réflexions, même par rapport au pays. Hein. On l'a vu, les États-Unis qui ont voulu jouer personnel, ne plus être à l'OMS, ne plus être de ces choses-là. Maintenant, ils vont y revenir. On voit bien qu'un monde qui n'est pas capable de raisonner raisonner sur l'ensemble de la planète, ça ne peut pas fonctionner. Il y a des enjeux qui ne peuvent être que résolus que par la concertation de tous. J'entends dans vos témoignages ce parallèle entre des évolutions individuelles et des tendances structurelles. On voit que, par exemple, sur les villes moyennes, il y a un exode des grandes métropoles, les gens veulent en partir, veulent revenir dans la ville moyenne, et les villes moyennes lancent, je pense à l'agriculture, hein, l'idée d'avoir des agricultures urbaines, d'avoir un rapprochement entre l'urbain et le rural. C'est des choses qu'aujourd'hui les gens veulent vivre, et on sent que ça germe en même temps chez les individus. Oui, et l'évolution, elle se fait donc par rapport à notre entourage, même dans notre manière de faire. Donc moi, je suis jeune maman. Même dans l'éducation que nous voulons donner à nos enfants, dans ma génération, nous avons un regard complètement différent de celle de la génération même de mes parents, donc juste avant. Et nous avons une envie de retourner sur une espèce de sérénité et d'épanouissement familial qui a été oublié, je pense, depuis quelques années pour la course à l'évolution, la course au mieux, la course à plus d'argent. Et on est en train d'y revenir. Et en ce moment, il y a le problème de la nouvelle loi avec... ils veulent enlever l'institution en famille, enfin le choix de certaines familles qui veulent faire l'école à la maison. Et ça fait partie, ces familles-là font le choix de ce genre d'instruction pour essayer d'homogénéiser leur vie familiale, de s'organiser vraiment qu'autour d'elles-mêmes. Et ça permet un épanouissement familial qu'on n'a plus quand les deux parents travaillent, parce que ça occasionne un stress au niveau de la famille. Et donc tout ça, c'est en train de changer. On est en train de faire un peu marche arrière sur ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents, et c'est pas plus mal. C'est vrai que la question des générations, elle est importante, parce qu'en définitive, si ça s'arrêtait après nous, je veux dire, toutes ces questions-là, on n'aurait même pas à se les poser. C'est bien notre vision de l'évolution du monde et des générations à venir qu'on veut préserver, quoi. Et vous, Jean, en tant que prêtre, avez-vous vu des choses, des évolutions qui permettent de se dire, tiens, la création, là, elle est abordée autrement, il y a un usage qui va en être fait autrement. Vous voyez quelque chose d'évoluer ? Oui, je crois qu'on est de plus en plus sensibilisé à la question écologique. Et comme disait Alix, il y a un gros travail d'éducation qui est en train de se faire. Et je pense qu'il y a plein de petites choses qui sont à la portée de nos communautés. Je vais donner quelques exemples concrets. On pourrait faire des repas paroissiaux un petit peu différents, c'est-à-dire en privilégiant davantage la convivialité plutôt que la cherté des mets qui sont servis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Un jardin partagé? Planter des arbres avec les enfants du caté, interroger nos banques sur l'utilisation de l'argent, les placements qui sont faits. Si on apprend que nos banques financent des projets destructeurs pour l'environnement, et on connaît bien des entreprises qui ont des grandes multinationales qui ont ce type de projet, je n'entrerai pas dans les détails, on est en droit de les interroger. Ensuite, évidemment, parler de cette notion de création et de respect de la création, comme nous sommes en train de le faire, dans la prédication et dans la catéchèse. Et ça, je crois qu'on a un effort à faire là-dessus. Et Jean, je crois que vous êtes en train d'évoquer tout le programme d'Église verte. C'est magnifique, tout à fait c'est ça. Magnifique, nous avons répondu à cet appel. Vous voyez que je suis déjà un peu influencé par Église verte. Donc j'engage bien sûr toutes les personnes présentes à rejoindre Église verte pour mettre en œuvre les propositions que vous soulevez. Je me permets maintenant d'aborder dans un troisième temps la question de la foi, puisque la création est bien sûr touchée par cette dimension de foi. Et je voulais savoir comment est-ce que vous mettez la foi, vous, dans votre approche de la création, et y compris dans la mise en œuvre de vos activités vis-à-vis de cette création. Alors,
cette place de la foi. Christine. Ben, en fait, il y a un mot qui m'est tout de suite venu en tête, c'est la dignité. C'est-à-dire que, sincèrement, je pense que dans le cadre de ma foi, il est toujours important que les êtres humains que je croise ou que je ne croise pas, qui vivent loin de moi, que je soigne ou qui me côtoient, il y a un mot qui m'est important, c'est la dignité. C'est-à-dire que, voilà, dans mon esprit, il n'y a pas de notion justement d'une hiérarchie dans ceux qui ont beaucoup, dans ceux qui possèdent l'argent, dans ceux qui possèdent les biens et puis les autres. C'est vraiment l'importance d'un être humain pour moi qui soit vraiment du tout tout bas, des pauvres sur la planète, mais comme dans notre pays également, aux yeux de Dieu, pour moi, il n'y a pas de nuance, quoi. C'est comme ça que je le perçois dans ma foi. Très bien, la notion de dignité. Oui, oui. Alors, j'invite bien sûr tous les gens qui nous regardent à pouvoir intervenir dans le cadre du chat, puisque il est fait pour ça. On vous a un petit peu coupé le micro pour qu'on puisse fonctionner de manière collective. Mais vos interventions sur le chat sont importantes. Hein, donc, n'hésitez pas à vous-même peut-être témoigner hein, de la place de votre foi sur cette façon d'aborder la création. Alix. Alors, la foi, pour moi... Moi, j'ai envie de dire que la foi, c'est mon mari qui m'a dit ça, alors moi, je n'avais pas du tout cette notion-là. Pour lui, la foi fait partie de l'intimité. C'est vrai en quelque sorte, et en même temps, il y a ce proverbe africain, je crois, qui est « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Donc, il y a une partie effectivement intime dans la foi, où on est seul, c'est personnel, et en même temps, on ira plus loin et on arrivera à faire plus de choses en se rassemblant. Et la création, faire évoluer notre monde, le faire changer, ça fonctionne pareil. Et l'espérance que nous avons, nous, dans notre foi en Dieu, nous avons à la mettre après aussi dans tout ce qu'on fera changer dans le monde et croire qu'on peut changer les choses positivement, c'est important. Donc, ça veut dire que dans votre métier, par exemple, vous diriez que l'intimité de votre foi vous amène à avoir un rapport peut-être différent à des patients. Et est-ce que vous le sentez par rapport à d'autres collègues, par exemple? Il ne s'agit pas de savoir si on fait mieux ou pas, hein, c'est de savoir si on a une approche différente. Je ne sais pas quoi vous répondre. Il y a une expérience que j'ai vécue au moment du premier confinement, donc en allant travailler à l'hôpital, il y a un patient qui était en train de décéder et on était donc deux infirmiers dans la chambre avec lui et puis moi. Ah, génial. Et en fait, je voyais le médecin qui s'était occupé de lui, qui n'arrivait pas à lui annoncer qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui, qui rougissait en lui parlant, en essayant de lui expliquer, qui était complètement emmêlé dans ses mots. Et puis, le médecin donc, a fini par sortir et lui, il m'a regardé en disant « bon oui, bon, je suis foutu ». Et là, du coup, je lui ai posé la question de savoir s'il était croyant. Et hop, et on s'est mis à réciter des « Je vous salue Marie ». Et c'est vrai que du coup, l'ambiance a complètement changé dans la chambre. C'est rare que je fasse ça, que je fasse appel à Dieu dans mes soins, mais ça m'arrive. Et je trouve qu'effectivement, ça établit un rapport, même inconscient, qui est complètement différent. Et les infirmières avec qui j'étais à ce moment-là m'ont remercié après de ce que j'avais mis en place. Donc on est bien dans une intimité aussi dans votre rapport au patient, mais aussi dans quelque chose qui peut être à mon avis extériorisé, qui permet aussi peut-être d'accompagner, de prendre soin de la création. Oui, enfin, je trouve que pour moi c'est quelque chose en plus de croire en Dieu, c'est un atout. Ça me permet d'être plus forte dans des moments qui sont compliqués, ou complexes ou difficiles, enfin, les trois ensemble même. Oui, c'est quelque chose de positif. On a l'impression de, bon, je suis soignante également, mais dans ces moments qui nous échappent, moi j'appelle ça les moments qui nous échappent, quoi, où on cherche du sens et puis on voit qu'on a des gens autour de nous qui justement n'y trouvent pas de sens.
Et puis moi, avec ma foi, ben j'ai une vision. C'est pas de l'imposer ou quoi que ce soit, mais. Merci, Marc. Oui, ben pour moi aussi, c'est comme il a été dit, la foi, c'est un espace privé, c'est personnel. Je pense que c'est d'abord une relation personnelle avec je ne sais pas comment le nommer, hein, sans doute Dieu. Pour moi, je me reconnais dans cette histoire de Jésus, dans Jésus qui a nous apporté un message pendant 2000 ans, où il est important que l'homme soit en relation d'amour, qu'il soit dans la relation de justice. Je pense que ça a été porté par l'Église jusqu'à présent, et ça a forgé nos sociétés jusqu'à présent, je pense, malgré tout, hein. Et ça a été un apport très important. Maintenant, dans la rencontre qu'on a eue avec la conférence des évêques, là, il y avait eu l'intervention d'un jésuite, hein, et j'ai plus son nom en tête. François Huvé. François Huvé, voilà. Qui a bien dit, là, le septième jour, Dieu, il nous laisse sortir. Il sort. Pour que nous, les hommes, ce soit nous qui prenons sa place. Et je pense que, pour moi, je suis convaincu de ça, c'est Dieu, il existe dans la relation d'homme à homme. Dès que deux hommes se rencontrent, il est là. Quelle que soit la croyance de chacun. Et c'est ça, moi, je crois, le message que l'Église doit porter maintenant. C'est pour dépasser simplement l'histoire de la foi propre à son Église, mais c'est de rencontrer l'autre, quel qu'il soit. Et dans votre métier, vous avez senti qu'à un moment donné, dans votre relation à d'autres agriculteurs, cette question-là, sans qu'elle soit forcément évoquée, mais elle vous a nourri C'est surtout lorsqu'on rencontre la contradiction, ou la confrontation, c'est que l'autre qui est en face de moi, j'ai beau ne pas être d'accord, il a m'apporter quelque chose, et puis moi aussi j'ai à lui apporter quelque chose. Je pense que cette méthode de pensée, moi, ça m'a aidé dans ce fonctionnement-là. C'est comment respecter l'autre, même si j'estime qu'il ne va pas dans le bon sens. Mais comment, de ce dialogue ensemble, on arrivera peut-être à trouver un chemin commun quand même. Et moi, c'est mon espérance, c'est ça ma foi. C'est, quelle que soit notre situation, c'est de croire qu'on trouvera une solution. Et c'est quelque chose que vous avez vécu au MRJC, par exemple, ce que vous avez fait? Oui, dans mes engagements agricoles, il y a des débats qui étaient des fois assez houleux, hein, quand on parlait de quotas ou de partage de terres. On n'était pas toujours d'accord, parce que chacun y voit aussi son intérêt propre, immédiat, mais si on réfléchit de manière plus générale, des fois on est en désaccord. Mais ça, on le dit, on arrive à le dire. Déjà, se le dire, c'est le début à cette co-création. C'est permettre le dialogue. Merci beaucoup Marc. Alors j'ose à peine vous demander, Jean, quelle mesure la foi influence votre regard sur la création et votre façon peut-être d'agir dessus. Oui, je pense que notre tradition chrétienne est pleine de ressources pour faire face à cette question de la crise écologique. Alors, trois, quatre directions. D'abord, la contemplation et l'action de grâce. Je suis frappé par ce mot du pape. Le monde n'est pas un problème à résoudre, il est un mystère joyeux à contempler dans la louange. Moi, ça nourrit ma prière quand je regarde le monde, et pas seulement la nature, mais aussi nos villes, et puis tout le travail des hommes. Alors, ce qui m'aide à la louange, c'est évidemment les psaumes. Il y a vraiment de très beaux psaumes de louange. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Et après, il décline la création. Ou bien, rendez grâce au Seigneur, il est bon, car éternel est son amour. Lui seul a fait des merveilles, il fit les cieux avec sagesse. Il a fermé la terre sur les eaux, car éternel est son amour. Et quand on est sur la route des vacances, moi j'aime bien redire, les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'œuvre de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Enfin, il y a dans notre prière chrétienne un regard de contemplation sur l'univers. Deuxième piste,
Moi, je crois qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas le monde. J'entends parfois des dénigrements sur ce qui se passe dans le monde. Évidemment, on ne va pas tout bénir. On est même là aussi pour alerter sur ce qui ne va pas. Mais attention au pharisaïsme, il ne faut pas toujours être en train de dénoncer ce qui ne va pas. Mais aimer le monde en aimant Dieu, parce que le monde porte la trace de Dieu. Nous avons des signes de la présence de Dieu dans le monde. Un théologien dit qu'il nous faut réenchanter le monde. Peut-être bien que la crise écologique est liée à cet aspect de la crise spirituelle, une désacralisation du monde. Si bien qu'on a le nez planté dans notre petite réalité, mais on ne lève jamais le nez au-dessus pour regarder une certaine transcendance qui nous fait signe. Le regard de Jésus nous aide. Lui, il rappelle sans arrêt que Dieu est Père. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Ce regard contemplatif, finalement, nous conduit à l'Eucharistie. Et moi, quand je célèbre l'Eucharistie, eh bien, je rends grâce déjà pour la beauté du monde. Si bien que ça entraîne trois vertus écologiques, le respect, l'émerveillement et la responsabilité. Autre piste, l'espérance. Vous m'interrogez tout au début sur l'espérance. Mon espérance, elle est nourrie aussi par de beaux textes de la Bible, l'espérance d'un monde nouveau. On trouve ça dans bien des pages de la Bible. Un rameau sortira de la souche de Jessé, sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Les conséquences, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, la vache et l'ours paîtront ensemble, le nourrisson jouera sur le nid de la vipère. Il ne se fera ni mal ni destruction. Cette vision paradisiaque, non seulement ça nous fait rêver, mais ça nous fait attendre un monde nouveau, même si, comme tu disais, y a un sacré combat qui se vit. Et l'apôtre Paul nous dit « La création gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore ». Eh bien, en ce temps de pandémie, moi je vois la création qui gémit dans un enfantement qui est long, qui est long. Enfin, dernier aspect de ma foi chrétienne, c'est que la résurrection du Christ est le dernier acte de la création. Déjà Jésus, quand il guérissait les malades et chassait le mal, la résurrection était en marche, parce qu'il remettait debout les hommes et les femmes qu'il rencontrait. Sa résurrection, elle nous est promise. Et Paul, dans la grande prière de la lettre aux Éphésiens, il nous dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté pour mener les temps à leur accomplissement, récapituler l'univers entier sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Donc je crois que notre foi à la création nous permet de faire un lien avec ce salut total, intégral que nous attendons. La terre et l'humanité sont appelées à être rassemblées en Christ. C'est ça notre espérance. Merci beaucoup Jean pour ces belles paroles et puis donc ces perspectives que vous dressez qui finalement nous font réfléchir à notre position par rapport à la création, à notre rapport à la création. Et je vois que dans le chat il y a deux questions. Je vais me retourner vers vous, Monseigneur, parce que je pense que vous pourriez nous répondre à ces deux questions. Une première question les deux questions tournent autour du comment, en fait. Une fois qu'on a dressé les perspectives, la question, c'est comment on s'y prend. Une première question au niveau local, qui consiste à dire, mais nous, au niveau de l'Église, comment on peut agir? Et puis, Vincent Guyon qui nous dit, mais au niveau international, les enjeux sont tellement énormes. Quand on parle de recyclage, on peut bien sûr parler de recyclage local, de nos poubelles, mais la question des déchets, elle est mondiale. Comment on fait avec tout ça? Alors, est-ce qu'il y a une corrélation? Comment est-ce qu'on peut faire, en fait?
programmer l'aura. Donc, merci de me renvoyer le ballon. En tout cas, déjà, je voudrais dire combien j'ai été très intéressé par les expressions de chacun, chacune de vous. Je trouve que c'est vraiment nourrissant et ça montre combien on a de l'intérêt à parler de cela ensemble. Votre diversité de profession aussi montre que c'est un sujet de conversation effectivement transversal entre toutes professions parce que ça nous concerne tous, un chef particulier. Je ne suis pas en train de botter en touche sur la question. Moi, il me semble que c'est vraiment ce que la question posée là, de comment agir, elle est importante parce que je pense que chacun de nous, une fois que nous comprenons que nous avons vraiment une responsabilité, c'est normal de se dire et donc qu'est-ce que je fais ? Mais les problèmes sont tellement immenses que le premier réflexe, c'est souvent de se dire ça vient des entreprises, ça vient de l'État, ça vient de je ne sais pas quel lieu qui m'échappe complètement. En tout cas, ça ne vient pas de moi. À ce moment-là, c'est compliqué. C'est un peu comme la question de la lutte contre la pandémie, entre les décisions d'ensemble de l'État, entre les dispositions prises pour pouvoir soigner, prévenir, et puis la responsabilité de chacun dans les gestes barrières. Si on n'articule pas les trois, on n'y arrivera pas. S'il n'y a que les gestes barrières, sans décision, mesures gouvernementales qui prennent tout l'ensemble, ça serait pas possible. S'il n'y a pas en même temps les dispositions prises pour traiter les dégâts qui s'occasionnent et essayer de réparer ce qui a pu être abîmé, on n'y arrivera pas. On a besoin de tout le monde. Et je trouve que quand le pape évoque « tout est lié », parce qu'il le répète dans son encyclique, dans son exhortation, il évoque la question on l'évoque souvent, ce « tout est lié » entre les problématiques. Et là, on l'a bien évoqué, avec la cause des plus pauvres, avec les générations futures, enfin, voilà. Mais il y a aussi le « tout est lié » entre nous, quoi. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Alors, soit on va y aller en se disant « je scrute mon voisin et je le dénonce quand il ne trie pas ses poubelles. Je donne une caricature. » Soit je réfléchis comment mettre en place, initier des processus vertueux, des processus qui donnent envie. Et je pense, et ça a été répété très souvent, on ne peut pas le faire seul. Il faut qu'on le fasse ensemble, il faut qu'on s'associe les uns aux autres. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait quelques-uns qui aient une vision d'ensemble, une vision politique. Et je pense qu'il faut vraiment articuler les trois niveaux, quoi. Le niveau individuel, personnel, ma propre conversion, mon comportement personnel, le niveau associatif, c'est-à-dire à échelle perceptible. Je sais avec qui je peux me relier, avec mes voisins, avec ma famille. Dans ma famille, il y a du monde avec qui je m'associe pour mettre en place ces processus vertueux. Et puis, bien sûr, une stratégie d'ensemble au niveau des nations qui, elles, du coup, nous échappent. On n'est pas forcément à tous les niveaux. Mais le niveau personnel, là, vraiment, il n'y a que nous, que chacun de nous qui pouvons agir. Et le niveau associatif, et quand je dis associatif, ce n'est pas forcément association ou à 1901, c'est associatif, se mettre à plusieurs, c'est absolument nécessaire, il me semble. Donc ça ne répond pas au concret. Mais quand même je vais donner peut-être un petit exemple. J'ai vu une fois quelque chose qui m'avait beaucoup touché, parce que ça correspondait à la fois à un engagement personnel et quelque chose qui a pu transformer un peu le monde. Il y a des petites actions très souvent qu'on peut mettre en œuvre. C'était sur une question d'éthique de l'achat, c'était sur le commerce équitable. Et une personne disait, mais moi je veux trouver du café chez moi à disposition pour acheter du commerce, du café équitable. Le problème, c'est qu'il faut que la centrale d'achat du magasin puisse fournir et puisse avoir ça dans son élément. Et du coup, ce désir personnel s'est mis en œuvre, mais il a fallu activer trois niveaux, c'est-à-dire à la fois, moi je veux consommer comme ça, ça devient un motif éthique, je ne me vois pas le faire sans respecter le producteur,
Et là, on est dans du tout est lié. Et puis, cette personne-là s'est associée d'autres personnes autour qui se mobilisaient aussi sur cette même cause, sont allées voir les supermarchés de leur commune. Et ça a bougé jusqu'à la centrale d'achat qui a acheté du café parce que d'autres voulaient. Mais ensuite, ces gens-là ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas faire que demander. Il fallait qu'ils entrent en logique. Donc, ils se sont répartis pour acheter de ce café dans les magasins de la commune pour que ce soit cohérent aussi pour le directeur du magasin. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est un processus vertueux. Et je pense que si on se pense seul, c'est fini. Est-ce qu'il n'y a pas chez les chrétiens une caractéristique, et je l'entendais un petit peu dans vos remarques, Marc, hein, c'est le fait que, au vu de l'espérance que vous nous avez dressée, Jean, on n'est pas dans une logique peut-être comptable, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas qu'il faut absolument que là, ça marche, si ça ne marche pas, on n'est pas bon. C'est en fait, on y va. Et si on y va, même si ce n'est pas tout de suite, on n'est pas sûr du résultat, on est sûr de la direction. Est-ce que ce n'est pas un peu ça aussi la démarche chrétienne? Ce n'est pas attendre forcément le bon résultat au bon moment, quoi. Non, il y a une forme d'humilité aussi, hein, c'est-à-dire que l'important, c'est d'avancer, quoi, hein, c'est de chercher le bon chemin en avançant. Voilà, c'est ça l'important. Puis bien sûr qu'on peut se tromper et qu'il va falloir peut-être se demander pardon, se pardonner, ainsi de suite. Mais il y a aussi une réflexion que je me faisais en entendant les questions de déchets, la culture du déchet. À mon avis, on peut risquer sur ces questions-là d'entrer dans une forme d'idéologie qui tue aussi. C'est-à-dire que finalement, surtout ne produisons rien qui puisse abîmer. Mais la meilleure façon qu'il n'y ait pas de risque, la meilleure façon qu'on n'abîme rien, c'est de ne pas vivre. Donc, faisons-nous mourir tout de suite. Enfin, vous voyez, ça ne va pas. Ce n'est pas ça qui nous est demandé. Et je pense que la question à se poser, c'est au fond, quelle est l'empreinte que nous laissons? Mais dans le monde, y compris pour les générations futures. Quelle est l'empreinte que laisse notre génération aujourd'hui? Actuellement, si on regarde l'empreinte carbone, il y a quelque chose de catastrophique. Mais il y a d'autres empreintes que nous laissons aussi, et qui sont belles, qui sont, voilà. Tout n'est pas mauvais. Essayons de réfléchir à l'empreinte que nous laissons. Et ça, je pense que c'est une façon d'accepter que forcément, si on vit, si on marche, on va laisser une empreinte. Une empreinte intégrale. Oui, mais il ne faut pas qu'on ait peur, simplement, interrogeons-nous. Quelle est l'empreinte qu'on laisse? Un peu comme quand on quitte une pièce, il peut rester un parfum, il peut rester, c'est pas problématique, on vit. Mais quelle est l'empreinte que nous laissons et qui fait que nous respectons tout le monde? Ce serait ma façon de parler. Chaque fois qu'on m'a parlé de cette question du déchet, je me dis, mais comment faire? Le zéro déchet, on peut peut-être y travailler, mais on risque aussi quelque chose de dur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça devient culpabilisant de générer du déchet. En fait, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que le déchet va pouvoir être recyclable, ainsi de suite. Comment? Quelle est l'empreinte que nous laissons? Je laisse un peu comme réflexion. Et là, pour les chrétiens, il y a quelque chose de très important, parce que le Seigneur nous demande, nous avons une empreinte à laisser pour les générations futures, et la transmission de la foi, ma foi, on laisse bien une empreinte. Donc on retrouve ce que vous disiez, Jean, tout à l'heure, c'est le souci de l'émerveillement aussi du monde, rester émerveillé en dépit de tout. Et bah, écoutez, je crois que c'est peut-être sur ce dernier mot qu'on va se quitter, parce que émerveillement invite à célébration. Et donc, à 16h, je vous invite donc à la célébration qui va être aussi donnée donc à la cathédrale, à Belfort. Merci à tout le monde. Merci Catherine, merci Alix, merci Marc, merci Monseigneur. Merci. Et merci à tous. Bonne soirée et bonne célébration. Merci. Merci. Et merci à tous les participants avec votre courage pour rester devant l'écran.